Ce mercredi 13 décembre 2023, Michaël Ducruet, le fils aîné de Daniel Ducruet, a accordé une interview à Point de vue. Au cours de son entretien, il a confié un moment très émouvant entre lui et son demi-frère, Louis Ducruet. Michaël Ducruet est sans aucun doute l'un des membres les plus discrets de la famille royale monégasque. Cependant, ce mercredi 13 décembre, le jeune homme a en quelque sorte décidé de sortir de l'ombre en accordant un entretien exclusif au magazine Point de vue. Lors de son interview, le fils de Daniel Ducruet et de Martine Malbouvier s'est confié sur la relation qu'il entretient avec son demi-frère, Louis Ducruet, et a également fait part d'une scène touchante entre eux deux. Dans les colonnes du magazine, Michaël Ducruet raconte que son demi-frère, dont il a toujours été extrêmement proche, lui a demandé d'être le parrain de sa fille Victoire, qu'il a accueillie le 4 avril 2023 avec son épouse, Marie Chevalier. J'ai été son témoin de mariage, il a été le mien. Et je suis le parrain de sa fille Victoire. D'ailleurs, quand il me l'a demandé, le grand sensible que je suis a fondu en larmes. Je serai toujours là pour lui. De touchantes confidences qui montrent le lien fort qui unit les deux hommes, nés à seulement 11 mois d'écart. Plus grand que photo Gabriella de Monaco, Louis Ducruet, Alexandre Coste, qui sont les membres de la famille princière monégasque. Louis et Marie Ducruet, bouleversés par l'arrivée de leur petite fille après avoir annoncé en novembre 2022 attendre leur premier enfant ensemble dans une adorable publication publiée sur leur compte Instagram respectif. Louis et Marie Ducruet ont accueilli une petite fille prénommée Victoire, le 4 avril 2023. À l'occasion des 6 mois de leur bébé, le 4 octobre dernier, la belle-fille de Stéphanie de Monaco avait partagé une photo de son enfant sur le réseau social et fait de touchantes confidences. Ma coquinette, 6 mois déjà que tu me combles de bonheur, même si je suis fatiguée. Tu es un petit ange tombé du ciel, un amour de bébé, nous n'aurions pas pu espérer mieux. Notre vie n'est plus la même, elle a changé pour le mieux, pouvait-on lire en légende du cliché. Des jeunes parents comblés de bonheur. Claudia Albuquerque.